www.lascène.info. Le système républicain prévoit que ce soit nous-mêmes, nous les citoyens, qui organisons le fonctionnement des bureaux de vote. C'est la raison pour laquelle je nous invite et j'invite toutes celles et tous ceux qui sont attachés à ce fonctionnement démocratique à se mobiliser dans 15 jours pour assurer le fonctionnement des bureaux de vote. Il y aura forcément moins d'assesseurs désignés par les candidats puisque il y avait 11 candidats, il n'y en a plus que 2 dans 15 jours. Certains de ces candidats n'ont pas forcément dans ceux qui les accompagnent beaucoup de monde pour être présents de façon équitable dans les bureaux de vote. Or, un bureau de vote dans lequel il n'y aurait pas le nombre suffisant de membres du bureau, donc de président, président, nous, les élus, nous assurons, assesseurs, pour les faire fonctionner, c'est un bureau qui pourrait ne pas ouvrir à 8 heures du matin. C'est une très mauvaise image que l'on donne de la démocratie. C'est la raison pour laquelle, et je les en remercie, nos responsables du service des élections, entre autres, enfin, les fonctionnaires territoriaux, ont imaginé ce qui a été un petit peu communiqué, peut-être un peu tard cette année, un dispositif permettant, comme c'est la loi, invitant nos concitoyens qui accepteraient de passer la journée ou une partie de la journée, s'ils sont suffisamment nombreux pour se relayer, dans les bureaux de vote, pour pouvoir les faire fonctionner. Pour ce faire, un dispositif a été mis en place. On peut télécharger sur le site de la ville ce bulletin d'inscription en disant « je suis volontaire pour être assesseur ». On peut aussi téléphoner au service des élections, c'est le 04, je ne sais pas s'il est marqué là. 06 90 57. Pour dire, je suis dispo ce dimanche-là, je peux faire fonctionner la machine démocratique. Voilà. Merci à vous tous. www.lascène.info